Je m'appelle Sarah Dalglish, je suis chercheure en santé publique à la Johns Hopkins University, me spécialisant dans la santé de l'enfant. Donc, j'ai eu l'honneur récemment de travailler sur le rapport d'une commission organisée par l'Organisation mondiale de la santé, UNICEF et la revue scientifique The Lancet, qui s'appelle donc A Future for the World's Children, un avenir pour les enfants du monde. Et ce soir, sur la base de ce rapport, je vais partager trois défis majeurs que nous avons identifiés, auxquels les jeunes d'aujourd'hui font face. Ensuite, je vais faire un petit point sur l'impact de la pandémie COVID-19 et je vais finir par évoquer quelques modalités pour travailler avec les enfants et les jeunes quand il s'agit de penser et de créer le monde de demain. Donc, commençons par les trois défis majeurs. Le premier, c'est sans doute le plus évident, l'environnement et le changement climatique. Les enfants sont plus vulnérables aux chocs et aux risques environnementaux que les adultes. Pour ne citer qu'un exemple, l'exposition à la pollution aérienne, même lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, elle est associée aux problèmes respiratoires, au retard de croissance et à une plus lente maturation du cerveau, ainsi qu'à un risque accru d'obésité, de diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et du syndrome métabolique. Ça, c'est déjà aujourd'hui. Et l'avenir pourrait être pire. Selon les projections en vigueur, les enfants risquent de voir des conséquences catastrophiques au cours de leur vie si nous n'agissons pas. Donc, pour reprendre les paroles de Greta Thunberg, notre maison brûle. Et elle n'est pas la seule à tirer la sonnette d'alarme. Nous avons vu des millions de jeunes manifester contre l'inaction face au changement climatique. Et ça, c'est sous la bannière de School Strikes for Climate, les grèves pour le climat. Donc, prendre le leadership de ces jeunes et agir pour le climat, c'est le devoir de toute personne se souciant de la santé et du bien-être des enfants. Et pour nous, les membres de la commission, le concept même du développement durable, ainsi que les objectifs du développement durable agréés par tous les pays du monde, s'articulent forcément autour de l'enfant. Le deuxième problème majeur que nous avons identifié concerne l'atteinte aux enfants et aux familles par le marketing commercial. Les enfants du monde entier sont énormément exposés à la publicité des entreprises, dont les techniques de marketing exploitent leur vulnérabilité, ainsi que l'utilisation de leurs données en ligne. Ces entreprises font d'énormes profits en faisant la promotion de produits qui peuvent nuire à leur santé, notamment l'alcool, le tabac et les boissons sucrées, qui sont tous des causes majeures de maladies chroniques. Pour citer quelques exemples, selon une étude multi-pays, plus de deux tiers des enfants de 5 à 6 ans sont capables d'identifier au moins une marque de tabac. Dans d'autres pays, les enfants voient plus de 50 millions de publicités pour l'alcool par an lors d'événements sportifs télévisés. Les enfants sont aussi ciblés par les applications de jeux d'argent qui sont associées à des problèmes de stress et d'anxiété, à des problèmes dans leurs études et à des conflits dans des relations interpersonnelles. L'auto-réglementation par l'industrie elle-même, c'est-à-dire des promesses de ne pas cibler des enfants avec leur publicité, ne fonctionne pas. Il existe des tas d'études qui le démontrent. Et c'est pour cela que nous avons appelé au renforcement de la réglementation nationale et internationale pour protéger les enfants contre la commercialisation du tabac, de l'alcool, des substituts de lait maternel et des boissons sucrées, ainsi que contre les jeux d'argent et l'utilisation inappropriée de leurs données personnelles. Le troisième problème, c'est le plus large. C'est le problème de gouvernements qui ne travaillent pas ensemble à travers les secteurs pour améliorer la vie des enfants, car tous les secteurs sont impliqués. Par exemple, dans le monde, les accidents de la route sont la principale cause de mort pour les enfants et les jeunes âgés de 5 à 29 ans. L'implication du secteur de transport dans ces discussions est donc essentielle.
Les politiques agricoles et du commerce extérieur sont déterminants en ce qui concerne ce que mangent les enfants et donc de la bonne nutrition. Le secteur du logement et l'aménagement de l'espace public, c'est eux qui vont décider si les enfants vivent dans des logements dangereux ou pas et s'ils ont des espaces où jouer. Les secteurs de l'éducation, de la protection sociale, de l'environnement, bien sûr, tous doivent avoir l'intérêt des enfants et des générations futures au cœur de leur mission et de leur activité. Il est donc essentiel que les gouvernements mettent à profit les coalitions intersectorielles pour que les enfants puissent jouir de leurs droits. Hormis ces trois défis, nous avons le COVID-19. Nous le savons, les enfants sont moins affectés par le virus lui-même, et heureusement. Mais les fermetures d'écoles ont eu un impact sur plus de 1,5 milliard d'étudiants dans le monde, ce qui creuse les inégalités entre les étudiants qui peuvent continuer leur scolarité en se servant de bons outils numériques et d'une bonne connexion Internet, et ceux qui ne peuvent pas. Par ailleurs, beaucoup de familles comptent sur les repas à l'école. L'école sert aussi de porte d'accès aux services sociaux. Lors des confinements, les enfants sont plus exposés aux violences domestiques, comme nous l'avons observé dans beaucoup de pays, et avec justement moins de recours aux services sociaux et un accès plus difficile aux services d'urgence. Ils ont moins d'accès aux services médicaux de routine aussi. On a vu par exemple des campagnes de vaccination qui ont été reportées, avec potentiellement de graves conséquences pour la vie de ces enfants. Les enfants ont aussi moins de possibilités de jouer ou de se fréquenter, alors que c'est fondamental pour stimuler leur développement. Finalement, les enfants, comme les adultes, vont souffrir et souffrent déjà de la crise économique qui est déclenchée par cette pandémie. Les défis, alors, sont énormes, mais nous avons une force assez incroyable qui est l'action des enfants et des jeunes eux-mêmes. Dans notre rapport, nous avons demandé aux enfants dans plusieurs pays quelles étaient leurs priorités. Et notamment, ils nous ont parlé d'être avec leur famille, de vivre dans des environnements propres, d'avoir accès à l'éducation et à la culture, et d'avoir la possibilité de jouer. Quand il s'agit de la participation des enfants, le sujet de notre discussion ce soir, la première chose à rappeler, c'est que c'est leur droit. Selon la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies, signée par tous les pays, sauf le mien, les États-Unis, les enfants ont le droit de s'exprimer par rapport aux décisions qui les impactent et les adultes doivent prendre en compte ces avis. L'implication des jeunes peut être soit consultative ou bien dirigée par les jeunes eux-mêmes. Dans le premier cas, la consultation, les innovations numériques peuvent être d'utilité. Par exemple, avec l'application YouReport, qui permet de recueillir l'avis de quelques 6 millions d'adolescents et de jeunes dans plus de 50 pays. Dans le deuxième cas, les enfants n'attendent pas d'être consultés et ils prennent le devant. Nous avons déjà évoqué le leadership des jeunes par rapport au combat contre le changement climatique, mais c'est loin d'être le seul exemple. On peut citer le mouvement des filles en Argentine pour revendiquer leurs droits reproductifs, les manifestations menées par les adolescents concernant la sécurité routière au Bangladesh, le mouvement étudiant au Chili qui a conduit à un système éducatif plus équitable et le mouvement social dans mon pays pour un meilleur contrôle des armes à la suite des fusillades à Parkland en Floride. Donc pour conclure, les défis auxquels les enfants et les jeunes sont confrontés aujourd'hui sont énormes. Mais personnellement, j'ai de l'espoir. Les enfants et les jeunes, ils ont une force incroyable. Et avec eux, rien n'est impossible.